Bon, mais bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des manips que l'on veut mettre en place dans la passe. Il s'agit de caméras de surveillance. Alors, vous voyez, les caméras, elles sont là. Yannick a coulé du béton dans ses vieux bidons. Il a même peaufiné le décor, hein, quand même, avec des morceaux de coraux. Attention, c'est un artiste. Et voilà les caméras qu'on va poser au fond. Ces caméras, elles vont être évidemment connectées à un câble. Et ce câble, il va venir jusqu'à ces grosses antennes qui sont là. Vous voyez ces grandes bouées. Donc le câble va être sur le fond de la passe et puis va remonter à la surface, à ces bouées en surface. Et au bout de la perche, à 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau, il y a ce boîtier avec cette antenne. Et cette antenne, c'est du Wi-Fi longue portée. Et du coup, ici, au QG, on aura cette antenne réceptrice. Et c'est cette antenne qui va recevoir le signal des caméras qui seront au fond de la passe. Donc en résumé, on aura en direct les fonds de la passe depuis notre quartier général ici pour surveiller l'arrivée des mérous, l'arrivée des requins qui les suivent, surveiller le comportement des requins à divers endroits stratégiques. Donc voilà, après maintenant, l'exercice va consister à aller installer tout ça, ça va être encore un chantier. Dans un premier temps, déterminer où est-ce qu'on va mettre ces caméras, trouver l'endroit judicieux, là où on a le plus de chances d'observer du comportement. Et dans un second temps, eh bien, il faudra aller installer les caméras au fond, mettre ces bouées en place. Et puis j'espère que d'ici très peu de temps, il n'y aura plus qu'à faire Enter sur un ordinateur ici, et tout à coup, apparaîtra sur 3 écrans différents, trois vues du fond de la passe en direct. Salut, à bientôt.